Comment ça va les amis? E-Football, Pro Evolution Soccer. Bon, la démo est jouable en ligne, donc ça c'est très cool pour le coup. Ça c'est très cool. Alors les gars, j'avais fait juste 4 matchs à l'E3, hein, donc c'est comme si je pars de zéro, surtout que j'ai vraiment quasi pas joué au PES ces derniers temps, à part le 19, j'y avais joué une semaine l'année dernière, mais là la vérité c'est comme si je partais de zéro. Vas-y, je vais tester qui les gars? Alors par contre, les gars, les formations et tout, je suis super total, hein, parce que je connais pas. Les menus, ça je trouve c'est un des points faibles de PES, t'as l'impression, surtout à l'ancienne, j'ai l'impression que ça va pas bouger par rapport à l'année dernière. Dybala, Manzou, non, je vais mettre Cristiano en pointe. Non, il n'y a pas tous les transferts. Ah, il y a Ramsey, mais il n'y a pas Rabiot. Le fin tacticien, regarde les flèches. Ah oui, putain. Tu vois, j'ai... Ah, il y a Bernardeschi, hein. Vas-y, je pars comme ça, de toute façon, on découvre. C'est pas ça qui va me faire gagner ou perdre, non. Non, non. Vas-y, mais on peut pas découvrir le jeu tranquillement, là. Bon, après, c'est dur, parce que tu joues contre des mecs qui ont l'habitude de PES. Moi, là, j'ai pas trop l'habitude. Par contre, la caméra, je la trouvais pas folle. J'avoue qu'elle est un peu bizarre parce que des fois la perspective est... Ouais, c'est un peu chelou. J'avais trouvé ça pas ouf la caméra perso. Voilà, Chiellini, on va éviter de refaire une connerie. Par contre, les gestes techniques, c'est la même. Je connais pas, je vais faire des feintes de frappe, je joue en passe. Bon, le jeu est lent. Sur ça, au niveau de la construction, c'est assez plaisant, les renversements de jeu et tout. Moi perso, ça j'aimais bien. Je sais pas faire les gestes techniques. C'est ça le problème là. J'ai voulu faire un geste à la FIFA, mais rien n'est ça. Oh là là, allez, Dybala. On l'a vu. On l'a vu. Oh. Bon, ça va un petit peu mieux là. Ce serait pas d'occasion, bon, au moins on construit tranquille. Cliche, on tente. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, en vrai, à part l'erreur, les gars, pour le moment, je joue mieux que le mec. Les renversements de jeu, je les trouve magnifiques. Franchement, les renversements de jeu, ils sont super beaux, je trouve. Ah, vas-y, Chiellini, il est nul. Oui, Cristiano, c'est nimp. Il est passé à travers Chiellini, à travers l'autre aussi un petit peu. T'es parti. En bas. Oh là là, sors pas. Encore? Non, Péno! Non, il y a la place, franchement, il y a la place. Mais juste, j'arrive pas à finaliser, quoi. J'arrive devant la surface, je bégaye. Je sais pas ce qu'il faut faire. Tire. Mais ouais, mais je connais pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime construire. Mais là, j'avoue, je sens que c'est stérile, quoi. Ça sert pas à grand-chose, qu'à la fin, je sais pas quoi faire. Pjanic. On m'a dit de tirer, je tire. Surtout les gestes. Il y a un ou deux gestes, peut-être, pour faire la diff, tu vois, en 1 contre 1, aux abords de la surface, je les ai pas. Ah, je suis mort. Quel retour de Chiellini. Il se rattrape de sa connerie de tout à l'heure. Ça part de là. Allez, Dybala. Pour Cristiano. Il a mis une heure, Dybala. Oh là là, une heure. T'es parti, Clich. T'es parti. Cristobal. Ça, je pense, c'est le truc qui fonctionne bien. Tu le vois direct, tout ce qui est LBY. Les ballons aériens, je pense, si t'as le timing, ça peut faire très mal, je pense. J'étais obligé de commencer à marquer mon premier but avec Cristiano, c'est la base. Ah, m'a pris pour un débutant, l'autre, respecte-moi un peu. Allez, Clich! Oh, on avait fait la diff avec la petite fin de frappe, putain. Laisse-la sortir, laisse-la sortir. Retourne-toi, allez! Clich, par contre, tu sens que Cristiano, ça doit être quelque chose. Hein. Oh là là, lui, physiquement, il se la fait pas prendre comme ça. Hein. Vous avez vu cette réaction, les gars, le mental? Non, mais c'est mérité, ce qu'on avait pris le vieux but. Il est parti, il est parti. Oh là là là, vas-y, gamin. Vas-y, gamin. Oh, on a attendu le soutien. Non, il l'a assommé. Mais tire! Eh, franchement, c'était bien joué, parce que j'avais niqué. Il croyait que j'allais tirer dans l'angle compliqué, mais non. C'est super lent, ouais, mais moi ça me dérange pas, moi j'aime bien quand c'est lent, moi ça me dérange pas du tout. C'est pour ça que FIFA, pour le coup, il m'a plu le 20 de ce que j'ai testé, parce que le jeu était beaucoup plus lent que le 19. Moi, plus c'est lent, plus j'aime. T'en penses quoi globalement? Bon, les gars, je vais faire quelques matchs et je vous le dirai, mais le gameplay est cool, moi, franchement, il y a des bonnes sensations. Mais c'est pas mal, hein. Moi, voilà, à construire et tout, en tout cas, tu prends du plaisir. Eh, 7... j'ai concédé un tir, 7 tirs, hein. J'étais costaud. Eux, il n'y a plus de rouge sur PES. C'est vert, là, c'est que le mec, il est rouge, en vrai. Ils ont changé les couleurs. Moi, avant, c'était rouge à l'ancienne. Tu vois, lui, il fait des folies, direct, lui. Ouais, lui, il connaît, lui. Tu vois, les centres, c'est ça qui me fait peur. Allez, un petit contre. Oh là là, c'est rondement mené. Allez, Clich. Allez, Clich. Allez, Clich. Mais pourquoi j'ai pas avancé plus? J'ai paniqué. Allez, il est tout seul. Non, je croyais qu'il allait la mettre à Dybala. Oh là là. Il est pas hors-jeu, il est pas hors-jeu, il est pas hors-jeu.
Oh là là, ce petit, c'est Bernard Deschi, ce petit extérieur pied gauche, j'ai cru que j'allais encore bégayer. Je crois tout en bas. Qu'est-ce que... Mais franchement, je fais des phases, elles sont magnifiques. Non, il s'est arrêté. Comment je sors le goal? Oh, heureusement, c'était pas mérité. Là, il s'est arrêté, le joueur. Je comprends pas pourquoi des fois, ça me le fait. J'ai l'impression que le joueur, il se désintéresse de la balle, il s'en bat les couilles. Regarde Chiellini, pourquoi il est parti comme ça? Non, le contrôle. Oh, il est parti. Ouh, il est parti. Oh, de petits centres pour Cristiano. Oh là là. Tire! Il a pas tiré! Non, l'action, elle était propre, ça en ouf! Oh, je croyais que Cristiano, il allait faire une reprise, première intention. Pourquoi il a pas tiré? Ah ouais, puis je vais me faire baiser derrière. Oh, puis c'est Messi, c'est but, ouais. Franchement, non, c'est moche. Ah, oh, c'est dur, Cristiano, il tire pas derrière, je me fais punir, horrible. Enfin, dans le jeu, on domine les adversaires pour le moment. Niveau de la constru. Ouh là là. Encore? Magnifique. Mais... Tire, tire! Cliche! Eh, son goal, il était sorti, j'ai pas compris, il a fait une sortie, elle est bizarre. Je sais pas s'il est passé en offensif, mais là, j'ai l'impression que ça s'ouvre. Hein. J'ai l'impression que ça s'ouvre. Oh, le rageux! Faute intelligente, mais là, c'est rouge, non? Moi, je suis obligé de tirer avec Pjanic, je comprends pas. Ça m'a enlevé le menu. Super. Allez, Myrène. Non, elle est à côté. Heureusement, c'était la dernière. Au moment, ça va, on gagne hein, que des 2-1, mais... Il y a... Ah si, il y a De Jong. Par les flèches. Bah, on va mettre De Jong à la place de Vasid Rakitic. Vas-y, je vais mettre Dembélé à la place de Coutinho. Mets la caméra à stade. Bon, je vais essayer de jouer plus proche du goal. Ouah ! C'est quoi cette caméra ? C'est pas mal, mais... Je sais pas, au niveau de la perspective, c'est pareil. Ça doit être chelou, non ? Ah, je trouve que c'est déroutant, moi. Allez, allez, allez ! Mais non, mais... Non, 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 le gardien, il peut pas se relever aussi vite, là. Il a fait une double parade, c'est énorme. Bim ! Oh là là, quelle défense avec Piqué. Par contre, votre caméra de mort, là, si je perds, c'est à cause de votre caméra. Non, les gars, vous avez... c'est pas bien ce que vous avez fait, là. Bon, après, c'est la nouvelle caméra, au moins on voit ce qu'elle donne. Mais... Allez! Oh, dommage, shoot le goal, je sais pas. Ok, ça c'est la caméra, ok. Elle a pas l'air mal celle-là, ouais. Elle est mieux que l'autre. Ça, je fais n'importe quoi. Oh, bah, Meyang, lui, doit être trop fort. C'est quoi cette vitesse? Mais, des fois, par contre, il y a des trucs comme ça à contre-temps, je comprends pas. Faut que tu contrôles tes balles avec L2. Je reste appuyé sur L2, genre elle reste plus proche des pieds, ok. Ah ouais, il fait des petits mouvements comme ça, mais ça sert à quoi là? Ça te montre la direction. Oh là là, Suarez. Bim! Non, c'est ça spécial en plus, les reprises comme ça. Je suis obligé de la donner à la Pulga. Franchement, je voulais le faire croquer, j'aurais pu marquer avec Suarez, mais juste pour voir célébration et tout. D'accord, donc j'ai rien fait, il a fait que ça en célébration, super. Bon, après, il a l'habitude de marquer tellement de buts que c'est normal, quoi, tu vois. Oh là là. Bam. Oh, mais par contre, les LBY, c'est cheaté. Tu sens que les LBY, si tu les mets au bon moment, c'est cheaté. C'est tuture. Tuture. Vous avez vu avec une bonne caméra tout de suite, hein, on met deux pions. Oh, Bousquette. Depuis quand il fait des montées comme ça, Bousquette? Non. Pourquoi je suis omnibulé par Messi? Je sais pas faire sauter le mur, c'était triangle. Peut-être j'ai même pas fait, heureusement. Eh ben, ça fera 3 matchs, 3 victoires. Hein. Et cette fois-ci, un petit clean sheet. Mais FIFA, moi, FIFA 20, le gameplay, je l'ai trouvé incroyable. Inou Carotte, il est partenarié. Bah oui. Je suis partenarié et je joue à PES. C'est comme un mec qui va être sponsorisé par Nike et qui porte du Adidas. C'est dans son contrat, je pense qu'il a le droit. J'ai un double partenariat. Ça, c'est possible. Le mec, il bouffe à tous les râteliers. Putain, ils ont mis qui? Vasco. Y a qui? Manchester, Bayern et Arsenal. Ouais, vas-y, Manu. Ouais, mais je vais laisser les autres. Je ferai rentrer peut-être Sanchez. Je vais pas me prendre la tête. Je vais laisser Rashford et Martial. Allez, go. C'est pas grave. Refais un retour aux sources. Non, parce que je sais déjà que j'aurai à FIFA. PES, peut-être j'y jouerai de temps en temps. Et encore, je sais pas. Parce que c'est le contenu. C'est le contenu déjà de base. Sans FUT, ils sont trop loin. Ils sont trop loin. La vérité, elle est là. Avec FUT, ils ont drogué tout le monde. Ils ont été très forts, FIFA. C'est la même chose. Parce que même les streamers, les youtubeurs PES. Ils ont fait des vidéos, allez les voir, hein. Les youtubeurs français PES, ils ont tous kiffé FIFA 20. Donc pour le moment, tout le monde est d'accord aussi pour dire que FIFA 20, tous ceux qui ont l'occasion de mettre la main dessus, tout le monde a aimé. Mais je pense qu'ils sont payés par EA aussi. Ouais, McKen. Comment je décale le goal?
Voilà, il m'a tué, mais j'arrive à appeler personne. Je sais pas décaler le goal. Tu sens que techniquement, Manchester, c'est pas la Juve ou le Barça, j'ai l'impression. Bon, alors c'est le mec, vu qu'il est un peu meilleur, peut-être il me gêne plus. C'est ça, Romelu! Wouah, les petits mouvements, c'est dur de prendre le ballon. Quand tu joues contre un mec qui maîtrise juste un peu les petits mouvements là en restant appuyé sur le L2, c'est chaud. Ouh, il y a un bon coup à jouer. Ouh, il y a un bon coup à jouer. C'est quelle passe de merde. Après, c'était Lukaku pied droit, mais quelle passe de mort. Voilà, tu vois, des fois, ça par contre, je comprends pas. Tu vois, là, ça fait deux fois, trois fois. J'ai l'impression que je peux prendre la balle, je suis dessus. Et j'avais eu ce ressenti quand j'avais joué avec Braque à l'E3. Peut-être il y a un truc que je connais pas, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis sur la balle, mais il la prend pas, le joueur. Ouais, c'est, bref, c'est trop, ouais, vas-y, ok. C'est un sketch qui s'est passé, ouais, vas-y, là franchement c'est énorme. Je sais pas si est-ce que la Juve est vraiment au-dessus. Ouais, ok. Bah vas-y, non mais c'est trop. Je sais pas si est-ce que la Juve est plus forte, mais là je l'ai senti dans ce match, le mec il a tous les contres et tout partout. Non mais il y a beaucoup plus de déchets que Manchester, tu sens que les passes c'est beaucoup plus dur qu'avec le Barça et la Juve. Non mais les comptes c'est affolant dans ce match. Allez, allez, allez Marcus. Bah oui, je te laisse prendre ton goal manuel moi, il n'y a pas hors-jeu. But PES, bah on est là hein. Je l'ai vu, non mais lui il maîtrise un peu, c'est celui qui maîtrise le plus que j'ai joué. Il est pas incroyable le mec, mais tu sens il maîtrise quelques mécaniques, les L2, les machins. Tu vois, j'arrive quand même à pas faire un match dégueu avec une équipe moins forte. Allez, mais pars. Mais qu'est-ce qu'il est con, Martial, il a rien dans le crâne. Je sais pas s'il y a des prolongues, s'il y a quelque chose. Non, fin du match. Bah voilà, au moins 3 victoires, 1 nul, c'est pas mal. Bon, la case au bas. Oh putain, c'est une autre compo là. Bah je vais tester, hein. Oula, il neige. Ça va être un délire là. Mais bon, moi ça va me désavantager, moi qui ai un jeu léché. Ouah. Par contre, j'ai vraiment l'impression que les grosses équipes ont beaucoup de comptes favorables. Ouais, c'est franchement, si, c'est ça, c'est la différence d'équipe, ouais, c'est affolant. Là, je l'ai vu avant Manchester contre Juve, là, je le vois direct, c'est la même chose. Il a tous les comptes pour le moment. Tu le vois cash. Mais c'est tenté un viol, mais Y sort. Oula ! Oh, il a couché les deux, la casette. Mais qu'est-ce qu'il a fait, l'autre ? Il se l'est pris dans l'oreille. Sincèrement, tu peux enchaîner les passes, les LBY qui sont millimétrés, toutes les passes en profondeur, la balle elle s'arrête pile quand il faut. Ça dépend des passes. Si tu joues en tiki-taka, ouais, ça va être moins assisté que FIFA 19, ça c'est sûr. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait le défenseur? Oh, oh mais là c'est nimp. Fais voir, attends, sur un dégagement, une déviation, t'es mal. Non mais. Ouais, c'est pas grave, c'est la poule gars qui marque. Mais bon, des fois, il y a des réactions de joueurs, c'est ce que je disais, ils se désintéressent de la balle, je sais pas, après, c'est peut-être quelque chose que je connais pas. Hein. Ah. Il est parti. Putain, ils aiment trop mettre des pointards, à chaque fois, ils mettent des pointards, t'as un pied gauche dans la vie. Non! Le jeu est trop bizarre, rien de naturel, il parle de réalisme, on dirait des robots. Non, mais il y a des choses bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Honnêtement, le gameplay est pas mal. Après, ce qui me dérange, comme je disais, c'est tout ce qui est passe lobé. Les passes en profondeur, je trouve que c'est assez chelou. Des fois, les joueurs se désintéressent de la balle, ça je l'ai vu plusieurs fois, mais ça c'est peut-être parce que c'est la démo. Ou alors je maîtrise pas, j'en sais rien. Et les joueurs se déplacent bizarrement. Après, le reste au niveau de la construction, c'est plaisant. Il y a des phases, franchement, les renversements de jeu, je kiffe. Il y a des phases où tu peux construire, c'est cool. Bon, moi je trouve le jeu honnêtement, ok, il y a peut-être un peu plus de déchets, il y a plus de déchets que sur FIFA 19, ça c'est sûr, mais FIFA 19, il n'y a pas de déchets, donc c'est aussi simple que ça. Mais je trouve que c'est quand même des fois un peu trop assisté les passes, notamment tout ce qui est profondeur. Mais au niveau du gameplay, les gars, ceux qui jouent à PES, vous pouvez pas dire que le jeu est parfait. Les déplacements des joueurs, moi je trouve, j'ai toujours un problème avec ça sur PES, il y en a, ils disent, on dirait des robots et tout, je suis assez d'accord avec ça. Il y a quand même des déplacements, les joueurs, comment ils se déplacent, je trouve que c'est bizarre. Mais non, mais il y en a, les gars, vous êtes pas objectifs. On sait que vous kiffez PES, vous êtes pro PES, mais c'est pas pour ça que, voilà, vous devez dire que le jeu est parfait. Moi, je suis pro FIFA depuis quelques temps, je joue à FIFA. Le 19, pour moi, c'est le pire jeu de foot auquel j'ai joué. Le 18 faisait partie des pires aussi. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Alors que pourtant, ces derniers temps, je suis pro FIFA. Mais voilà, si FIFA 20 est bien, mais qu'il y a des défauts, je dirais il est bien. Mais ça, c'est dommage, ça, c'est dommage, ça, c'est dommage. Tu vois, tu peux trouver le jeu bien. Moi, perso, je le trouve pas mal, PES, pas de souci. Mais tu peux pas dire que le jeu est parfait. Il y a quand même des choses, moi, qui me dérangent. J'avais pas vu. Regardez le genou à Messi. MyClub, en fait, c'est censé être le pendant de FUT sur PES. En fait, moi, ce que j'ai trouvé l'année dernière, j'y ai joué au début. Et honnêtement,
pour vous donner un ordre d'idée, autant FIFA, c'est trop compliqué d'avoir les joueurs, c'est dur d'avoir les joueurs. Mais il y a un côté qui est bien avec ça, c'est que bah, c'est rare. Et quand tu packs un gros joueur, bah, tu kiffes de ouf, machin, PES, j'ai pas eu ça. En fait, il faudrait un juste milieu. FIFA, c'est trop compliqué, ce qui fait que ça peut créer un déséquilibre entre ceux qui mettent énormément d'argent, qui forcément, à un moment, vont chater, et ceux bah, qui mettent pas d'oseille et qui forcément ouvrent peu de packs, qui vont avoir du mal à avoir des joueurs. Mais PES, au bout de 2-3 jours, j'avais les Mbappé, les Griezmann, les machins. J'avais mis, je crois, 15€ dans le jeu, juste pour, ou 20€ juste pour ouvrir quelques packs. Et même dans les boules, machin, je récupérais taquet de joueurs trop facilement. J'ai le sentiment, en fait, en 4 jours, j'avais une équipe de ouf, je trouvais, tu vois. Donc ça me paraissait trop facile. Et puis après, ok, tu faisais les matchs, les machins, il y avait quelques défis, mais ça tournait en rond. Je trouve, il n'y a pas de continuité. T'as pas de trucs hebdo, tu vois, comme Fut Champions. T'as pas de marché des transferts, etc. Donc tu peux pas acheter les joueurs que tu veux. T'es obligé de les paquer, en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça ennuyeux très rapidement. Moi, le 19, déjà, je trouvais le gameplay pas mal. Là, le 20, c'est dans la continuité. Voilà, c'est pour ceux qui recherchent un côté simulation assez lent et tout, ils peuvent y trouver leur compte, voilà. Après, c'est le contenu, comme je disais, pour moi, le gros problème.